première prophétie que j'ai donnée, c'était quoi? Ça parlait de quoi? The first prophecy I gave, what was it talking about? Hein? Qui? Il est où? Where is he? Venez. Come. C'était votre père? Was he your father? Hein? Oui, voici ma carte. Ça, c'est la carte de qui? Ma carte, voilà mon nom de mon père, Mbida. Mbida. C'était ça? C'était Mbida. Mettez-vous aussi. Vous, votre père, c'était, j'ai parlé de Bida. Bida. Il est où? Where is he? Il est décédé. Il est décédé. Oui. Vous avez grandi avec lui? Oui, mon père. Vous avez grandi avec lui? Oui, papa. D'accord. Jésus vous aime. Jesus loves you. Mais votre vie est dans un filet. Et Jésus veut. Et hey, regardez, il chuchote. Vous ne saviez pas ça. Tout ce que vous faites est bloqué. Vérité, c'est la vérité. Je vous ai vu avec des dossiers. I saw you with files. J'ai vu comme des dossiers. I saw like files. Dans une chemise jaune. J'ai vu des dossiers dans une chemise jaune. C'est à la maison. À la maison. Oui. Mais il y a aussi une chemise bleue. Il y a aussi les papiers dedans. À la maison chez vous. At home in your house. Alors je parle. While I'm talking. Et ces dossiers. And these files. Il y a un problème d'argent dedans. There is a money problem inside. Il y a un problème d'argent. There is a money problem. Et j'ai vu l'argent dans une chambre qui est enfermée. And I saw et Dieu m'a dit de prier. Amen. Pour que la chambre s'ouvre. Amen. Et que cet argent sorte. Amen. Il y a un esprit de vol derrière votre vie. Il y a un esprit de vol derrière votre vie. Je vous ai vu un jour, vous êtes sorti de la maison, vous alliez quelque part. Vous avez le téléphone dans la poche. You have your phone in the pocket. Vous êtes entré dans le taxi. Vous avez le téléphone en main. Quand vous êtes arrivé à destination, le téléphone avait disparu. Oui, j'avais égaré mon téléphone et j'avais apprécié d'appeler. Donc, on me l'avait remis vers la mobile essence. Écoutez, je ne veux pas voir trop de gens là. Pourquoi? Vous faites même quoi comme ça? Venez seul, venez. Venez avec lui ici. Mettez-le quelque part où il est seul. Mettez-vous ici. Apportez-moi une chaise. Reculez un peu. Poussez-vous. Stop. Je verra Mimura in Oreganum, Idi Varuk sera. Zera mi molehimu, Gura mi lose. Idi vini minora idum, Usuru mi morei. Je varei minum la agujera. E je vera mi molehi nora ilom shera. Quand je vous vois dans le règne de l'esprit, when I look at you in the spiritual realm, je vois une vie dévastée. I saw a devastated life. Je vous vois détruit. I see you destroyed. C'est la vérité. Je vous vois habiter comme dans une chambre. I see you living like in a room. Et quand je vois cette chambre, and when I see this room, vous étiez avec une femme avec qui vous vous êtes séparé et votre cœur a été déchiré. You were with a woman you separated and your heart was torn. Vérité, il y a de cela. Et le jour où cette femme sortait de votre maison, vos habits étaient séchés dehors, dehors à l'extérieur. Elle est partie dehors. Il y avait comme les cordes où on sèche les habits. Deux cordes où les habits étaient séchés. Oui. Et parmi ces habits, vous aviez cette tenue de sport, la culotte bleue avec son haut bleu séché. Oui. Vous aviez une autre culotte jaune avec son haut jaune écrit derrière numéro 2 séché. Le jour là, cette femme est partie. Je vois votre maison. Vous dormez sur un vieux lit. Sur un vieux matelas. Vérité. Dans votre maison, vous aviez 3 draps. Il reste 2. Le troisième est complètement déchiré. The third is completely torn.
Alors je parle, vous avez les chaussures fermées, trois. Vous utilisez deux, l'une est complètement finie. Et il y a une chaussure noire que vous avez laissée chez le cordonnier jusqu'aujourd'hui. Vous n'êtes pas allé chercher la chaussure par manque d'argent. Dans votre maison, j'ai vu quatre pantalons. In your house, I saw four trousers. Huit chemises. Eight shirts. Et Dieu m'a dit voilà toute sa richesse. And God told me that is all His wealth. Et Dieu m'a dit prie pour sa restauration. And God told me pray for His restoration. Amen. Rien ne marche vraiment, rien. Tout ce que j'entreprends est voué à l'échec. Vous avez fumé? Have you smoked? Non, sauf lorsqu'on était encore petit, des petits enfants, on a fumé une fois et le voisin nous avait fouetté. Aujourd'hui, l'Éternel veut restaurer votre vie. Amen. God wants to restore your life. Amen. Actuellement, dans votre famille, vous êtes un sujet de honte. Actually, in your family, you are a subject of shame. Un sujet de moquerie. Vérité. Et Dieu m'a dit, regarde ce jeune homme. Je suis sur le point de faire quelque chose dans sa famille que personne n'a jamais vu. Amen. Amen. Il y a une malédiction qui sera ôtée de votre vie. Amen. Vous avez eu quelqu'un dans votre famille qu'on appelle Okala. Have you had someone in your family called Et ce Okala était Okala une personne compliquée. Was a complicated person. Qui a été en conflit avec votre père. Who went in conflict with your C'était father. Okala Simon. Simon. Okala Simon. Et Dieu me dit de prier pour briser cette malédiction de déchirer votre vie. Amen. Upon your life. Je vais prier que Dieu vous restaure au nom Amen. Souverain de Jésus. Amen. Free. Le frère est venu, n'entendait pas bien les deux oreilles. Oui. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Il est avec qui? Il est avec qui ici? Il est venu. Est-ce que vous confirmez ce qu'on dit? You confirm what he says. C'est qui pour vous? Who is he to you? C'est l'enfant de mon grand frère. Hein? C'est l'enfant de mon grand frère. C'est l'enfant de votre grand frère. Oui, il est mort. Ça fait 22 ans, on dit qu'il est mort. Et il n'entendait pas bien depuis. Oui, depuis. Avant la mort de ton père. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? And then what happened today? Aujourd'hui, qu'il parle lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est l'eau. Oui, l'eau went. Oui, l'eau went des deux côtés. Maintenant j'entends très bien maintenant. Hey Jesus! Regardez, laissez-moi vous dire quelque chose. Let me tell you something. Le jeune homme que vous voyez ici, this young man that you see, sa maladie est mystique. His sickness is Ce n'est pas normal. It is not normal. Vous me suivez? You hear that? Et son père And his father est mort dans des circonstances bizarres. Strange circumstances. Son père ne devait pas mourir. His father was about to die. Vous comprenez? Vérité. Vous les connaissez? You know them. Vous, madame, c'est qui là-bas? Who is he there? C'est qui pour vous? Who is he to you? Mettez-vous à côté. Vous connaissez son grand frère qui est mort? You know his brother Je connais son père. Hein? Son père qui est mort. His father son père. Hein? Il a empoisonné sur sa chaise. C'est sa sœur qui me vend les sous-vêtements. Son père est mort. Ça fait combien de temps? For how long is he dead? Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans, n'est-ce pas? 22 years. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you one thing. Son père est mort de type de sorcellerie. Source of witchcraft. C'était quelqu'un de très bien. He was very quelqu'un good person. De très large, someone very large dans la famille. Family, on l'a tué. Et son ami. And his friend. Il avait un ami qu'on appelait Bill. Bill. C'était son meilleur ami. His best friend. Qu'on appelait Bill. Was called Bill. Et il venait souvent à la maison. Always come in the house. Pourquoi vous pleurez? Why are you crying? Vous connaissez où Bill est aujourd'hui? You know where Bill is. Hein?
J'ai séparé, ça fait combien de temps? How long are you separated? Ne pleurez pas. Don't cry. Vous savez, you know, si je vous dis de vous méfier des amis, I tell you to be careful from friends. C'est parce que la plupart du temps, nous souffrons de nos amis. Si le diable réussit à faire de ton ami ton ennemi, tu es fini. Le père de l'enfance et du monsieur aussi est mort de sorcellerie. Et quand il mourait, les symptômes de la maladie de l'enfance, il n'entendait plus son père. Quand son père mourait, quand parlait, ses oreilles se sont bouchées, ses yeux se sont fermés. Il vous disait, je ne vois pas, je n'entends pas. Et c'est cette malédiction qu'on a prise pour mettre sur l'enfant. C'est son ami, son meilleur ami qui a tué l'homme. Bim. Donc, alors je suis en train de parler. Alors je parle. Je vous dis ce qui est passé. Ses oreilles se sont ouvertes. Et Dieu a renvoyé la surdité sur Bill. Tiens l'homme là. Stop that man, hold him, hold him. Jesus. Zé inna helle benosta ogeno. Rabone filinota wa nasmada. Que Dieu punisse l'ennemi de ta vie. Si quelqu'un voulait t'humilier, il sera humilié devant toi. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui nous connaît jusqu'à ce point? Dis à ton voisin, je ne peux pas m'amuser avec Jésus. Maintenant, vous êtes. Pourquoi vous pleurez? Why are you crying? Vous êtes dépassé. C'est une révélation pour vous. C'est pour ça que les prophètes sont utiles dans l'église. Prophets are useful in church. Ceux qui vous disent de combattre les prophètes, c'est des sorciers. Ce garçon, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? What does he want to say? Oui. Oui. Prenez soin de lui. Vous êtes quelqu'un de bien. You're a good person. Vous me suivez? You hear me? Vous êtes quelqu'un de bien. L'homme, si regardez, look at this man. Je peux lui révéler quelque Can chose. Can I reveal him something? L'homme que vous voyez, the man that you see, regardez. Look. À ceci vous saurez qu'un prophète vous a parlé. At this you shall know a prophet. La manière dont vous prenez l'enfant, the way you take this child. Dieu m'a dit qu'il restaure vos finances. Amen. Suivez-moi bien. Dieu restaure vos finances. Quand je vous ai vu, j'ai vu une vieille voiture. Hein? J'ai vu une voiture gâtée. Une voiture gâtée et perdue. Et Dieu m'a dit de vous dire qu'il va vous pourvoir une voiture neuve. Une voiture neuve. Une voiture neuve. Et cette voiture sera une bénédiction pour vous. Cette année, vos finances seront relevées à cause de votre cœur vis-à-vis de l'enfance. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Il y a des miracles extraordinaires ici. Oui. Yes. Elle dit qu'elle avait une boule mystique dans son ventre. Elle avait une boule dans son ventre. Dans son ventre depuis 2013. Depuis 2013. 2013. Et quand elle a aspergé le ouint, la boule a complètement disparu. Ah, quelqu'un ne célèbre pas. Attendez. Tu ne célèbres pas le Dieu de mon père. La boule a complètement disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Oui, papa, depuis 2013, papa. 2013, 2013. Je me suis levé un matin, on avait rasé les cheveux. On a rasé les cheveux, ont disparu de votre tête. Your head disappeared from your head. J'ai commencé à ressentir la boule, papa. Bon, aujourd'hui là, j'ai expédié l'eau sur mon ventre. Vous avez expédié l'eau sur votre ventre, oui, papa. Et qu'est-ce qui s'est passé? And then what happened? Je ne le sens plus, papa. Oui! Ah! Jesus! Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Yes, somebody celebrate Jesus. Cette guérison est scellée dans le sang de Jésus. Amen. Et cette boule ne reviendra plus jamais, jamais, jamais. Amen. Elle dit qu'elle avait les nerfs sciatiques depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Elle n'arrivait pas à marcher. Et quand elle a mis l'eau ointe sur son pied,
Elle commence à marcher. Elle court même déjà. Elle court. Maman, elle court. Allez-y, on voit. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? What happened? Depuis 4 ans que je souffre du nerf sciatique, après quand j'ai dit ça à mon fils, il m'a fait appel, il m'a dit qu'il y a les miraculés ici à Douala. Qui a? Les miraculés ici à Douala. Il y a les miraculés ici à Douala. Yeah! Miracle God! Yeah, 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 yeah! Tu ne célèbres pas Jésus. Aïe, aïe, aïe. Et vous êtes venu voir les miraculés. Vous sortez de Bafia pour ici. De Bafia. Oui. Il dit que c'est sa première fois de venir ici. Sa première fois. Sa toute première fois. Et il avait une attaque mystique au niveau du ventre qui l'empêchait de faire des mouvements de travail. Et il voulait même aller suivre un traitement. Et il est venu juste par curiosité. Par curiosité. Par curiosité. Et lorsqu'il a aspergé l'eau ointe, après vos proclamations, il dit que la douleur a complètement disparu. Oh, elle a disparu. Est-ce qu'on peut célébrer? Vous êtes venu par curiosité. You came by curiosity. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Oh là là. Il dit oh là là. Says oh là là. J'avais du mal à marcher pour venir, à respirer même. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me bloquait la respiration. Et ça touchait jusqu'au dos. C'est depuis pratiquement une semaine. Oui, je me demandais même comment j'allais faire pour aller au travail demain. J'ai donc entendu parler de cette soirée. Vous avez entendu parler d'elle ou? Oui, de la part de ma maman. Wow. Elle est dans la salle. Wow. Oui. Wow. J'ai décidé d'en venir voir aussi ce qui se passe. Et ils avaient que je suis l'un des bénéficiaires des miracles de ce soir. Oh! Si tu danses, tu reçois la double portion. Yes! Possibilité avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Il n'y a plus d'impossibilité. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Célébrer Jésus en Douala.